compte, parce que, comment me faire ailleurs dans le passé, je considérais que les relations entre un Premier ministre et un leader de l'opposition, bizarre, une relation correcte. Et donc, je me suis tenu à qui je gagne l'occasion, capable de discuter avec le leader de l'opposition, parce qu'il nous appelait à consulter le leader de l'opposition d'après la Constitution, d'après les lois qui sont là, sur certains sujets. Et donc, finalement, l'occasion pour nous causer un peu, qui manière nous penser, nous capables d'évoluer. La rencontre, il passe dans une ambiance bien correcte. 21, nous prenons prestation serment pour tous les membres de l'Assemblée nationale. Justement, le premier conseil avec le nouveau ministre, comment passe? Ben, fin passe très bien. J'ai besoin d'y avoir un premier conseil des ministres avec certains camarades qui étaient déjà là. Et que les autres camarades aussi qui finissent déjà être ministres dans le passé, après, nouveau. Et vous avez dit, là, nous finissons prendre donc la décision pour augmenter la pension de ce qu'on appelle pension vieillesse, pension pour veuve, pension pour handicapé à 9000 roupies. Et aussi, il y en a certaines les autres prestations sociales qui finit augmenter, elle est pour implémenter par le ministère concerné. Et comme tout le monde connaît, quand nous prenons l'engagement, nous tenons nous l'engagement. Bien sûr, nous avons un thème transversal. Pardon, je vais l'inquiéter sur le chagos. Pour ce que nous, pour savoir, alors qui concerne quand même tout le secteur économique. Et après, bien sûr, pas l'impéd, tout à fait normal. Après, comment la campagne est déroulée, okay, sans bien sûr rentrer dans aucun détail, sans personne et dans l'esprit partisan. Et là, l'opposition, vous avez contesté l'élection. Mademoiselle, le président m'a rencontré qu'il m'a fini là avec le premier ministre. Il parle juste de faire une déclaration concernant ce qui, à juste titre, l'opposition peut faciliter. Et par rapport à la campagne, vous pensez qu'il y a justement une cause de déroulement de la campagne? Non, pas une cause. Comment ça, quand même, peut partager l'expérience sans rentrer dans aucun détail humain, ça? Non. Parce que une campagne, évidemment, bien sûr, c'est une intense pour lui, pour raconter. Nous, tous ceux qui ont été candidats, il a même une campagne très intense, hein, parce que la campagne même était très intense. Il est tout à fait normal, parce que c'est pas cause certaines choses. Et comment on va réitérer une réunion avec beaucoup de civilité. Et après, nous connaissons quel est le pouvoir attribué à un leader de l'opposition et mal rencontré du Zahéla avec le premier ministre.